retrouve aujourd'hui. On est le 30 janvier, donc le petit concours entre guillemets pour choisir ma toile est terminé aujourd'hui. Donc là, moi j'ai fait les petits comptes. On va mettre le portable sur vibreur. Moi j'ai fait les petits comptes et voilà. 25 ressort 3 fois, 31 une fois, 11 une fois, 35 une fois, 32 une fois, 37 une fois, 15 une fois, 4 une fois, 18 une fois, 21 une fois, 23 une fois, 20 une fois. Donc le grand gagnant est le 25. Le jour où j'ai posté la vidéo, c'était le 25. Donc je vais vous abaisser sur ma pochette avec les toiles. Je n'ai rien changé, j'ai juste ouvert la pochette juste avant. Et je n'ai rien bougé. Donc maintenant, on va aller chercher la toile 25. 1, 2, 3. Donc je vais poser hop derrière. Je vais reculer peut-être un peu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ça y est, on y arrive. 20, 21, 22, 23, 24. Mario Odyssey. Et 25. Ah, je suis contente. C'est une toile, ça fait un certain temps que je voulais la faire. En plus, ça va bien aller avec le Mario que je viens de finir. C'est un peu sur le même système que le Mario jaune que j'ai fini. Et franchement, je suis trop contente. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre les toiles. Je vais couper, je vais enlever la pochette et je vais vous mettre comme il faut en vue sur la toile. Comme ça, je vous la présente comme il faut, ouverte. Et après, je vais la préparer avec vous. Ouais, je pense que je vais la préparer avec vous. Je vais la couper en plusieurs cases. Pour que ça, c'est plus simple. Donc, on se retrouve tout de suite pour... déjà, je vous la déballe. Et après, je ferai les coupes et tout ça. Et il faut que j'aille chercher les pierres dans ma chambre, dans la boîte. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça y est, je me suis placée. Je vais pouvoir vous l'ouvrir entièrement. Et vous la montrer. Donc ça fait un style... Oh là, je vais pas défaire le bout. Ça fait un style imitation Mario Maker. De toute façon, cette photo, je l'ai trouvée sur Pinterest. Et je pense qu'elle a été tirée du Mario Maker. Elle avait été faite en Mario Maker. Donc, et puis vous voyez, c'est Luigi. C'est Luigi. Là, on voit bien les petites pièces, le tuyau. Donc, en fait, je suis super ravie que ça, c'est celle-là qui a été tirée. Franchement, je suis contente. Il n'y a pas eu de triche, hein, vous avez vu. Hein. J'ai bien compté avec vous. J'ai bien pris la toile 25. Il n'y a pas eu de triche. Ça aurait été une autre. J'aurais fait celle qui avait été choisie. Hein. C'était l'objectif. Donc, maintenant, mon objectif à moi, c'est d'essayer de la finir. Avant, alors là ça a bugué, voilà, ça c'est sûr. C'est d'essayer de la finir avant le 28 février. Comme ça, ça serait top. Bon, est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, pour rappel, avant de me lancer dans ma bêtise ou pas, de vous dire que j'aurais dû faire cette vidéo-là, j'aurais dû me penser que j'avais encore deux toiles qui n'étaient pas finies, les deux toiles défi qui sont sur janvier et février. Et j'ai encore la licorne qui n'est pas finie. Et normalement, je devrais avoir un autre défi d'une toile, une petite toile mystère. Donc, je sais pas. Franchement, je vais essayer d'y arriver. On va essayer de trouver du temps pour faire. Donc là, j'ai été chercher le kit de pierre. Hop. Alors, ça, c'est du plastique qui fait du bruit que j'ai horreur. Il va falloir que je me rachète. Oh, désolé. Oh, c'est du carré. Bon, c'est pas grave. À un moment, je prenais du carré, je prenais du rond. Donc là, c'est des carrés. Donc, vous voyez la déclinaison des couleurs. Et puis là, on a la feuille de route.
va falloir que je me rachète les sacs congélateurs pour mettre tout dedans parce que vraiment de toutes les tailles. Et du coup, c'est un 30 couleurs. Donc, il va falloir que je voie dans quelle boîte je le mets parce que là, je n'ai plus de valisette disponible. Donc, je sais pas s'il me reste un pilulier. Si j'ai pas une boîte où il me reste des boîtes de tic-tac que je me sers pas pour Valentin. Pour faire. J'aime bien aussi les boîtes de tic-tac. Au final, c'est pas mal. Donc, je sais pas. Il faut que j'aille voir. Je vais les installer avec vous. Je vais réfléchir. Je vous reprends un peu plus tard pour commencer à les placer avec vous. Je pense que je vais pas tout placer avec vous. Et puis, après, la prochaine vidéo, j'attaque avec vous la toile. Enfin, oui, il faudrait que je la sépare aussi. Ouais. Donc, je vais chercher une boîte pour ranger ça. Désolée pour le bruit. Hein, je pense que c'est mon voisin qui font du bruit là. On dirait un orage, lol. Je vais chercher une boîte pour ranger tout ça. Je vais récupérer mon stylo. Stylo couleur or. Je vais vous présenter. Qui tient super bien. Vous avez juste à laisser un peu sécher. Et après, il n'y a plus rien qui se sauve. Il n'y a plus rien qui bouge. Comme ça, on va faire les tracés. C'est une 30 par 40. Donc, je. Bah, je pense que je vais faire des cases de 10 sur 10, comme ça, ça me fait 4 par 3, quoi. Ça me fait 3 lignes. En hauteur, 4 cases et en largeur, 3 cases. Et puis, je vais faire ça avec vous. On va préparer toute la toile avec vous. Donc, on se retrouve après. Donc, voilà, je vous reprends. Donc, j'ai juste coupé un petit peu les bords, là, pour être quasiment au rabord de chaque et bien voir où j'en étais. Donc là, ça commence là et ça finit là. Donc là, moi, je vais monter un tout petit peu en haut, par contre. Et je vais noter, je vais faire un petit trait, puisque de toute façon, les bords, je les enlève. Je vais faire un petit trait à chaque truc. Voilà, le 40 et le 0, même si on n'en a pas besoin. Voilà, je vais faire des repères sur mes côtés. Pareil en partant du bas. Alors, mon 0, il est où ? J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ah. Là, il ne se fait attaquer par... Donc là, il y a encore une petite marge. Donc là, je vais coulisser pour bien être au bord. Là. Donc là, 40. 30. 20. 10. Et le 0. Donc là, il y a bien 20 cases dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, je vais faire pareil. Je retourne. Donc là, je prends bien mon repère qui est là, le haut, là, le bas. Donc c'est bien une 30 par 40. Hein. Donc là, le 30, il est juste là. Parce que le bas de ma toile, il est juste là. Hein. C'est que j'ai été marqué. Là, on est bien à 30. Donc 30, 20. 10, je vais faire plus petit parce que là il y a ma feuille de route. Et le 0. Hop, et là je vais faire pareil dans l'autre sens. Et ces repères vont me servir à faire mes coupes. Donc mes coupes, je les fais avec un cutter. Parce que j'ai acheté un stylo spray et un stylo cutter. Et franchement, c'est un peu de la caille. Parce que les 2 ou 3 fois où j'ai voulu couper avec, j'ai failli me retrouver avec des trous dans la toile. D'ailleurs, il y a une toile qui est passée justement qui a eu un trou. Donc heureusement que c'était pas grand chose. En mettant du scotch par derrière, ça se verra pas. Mais comment je vais finir? Oui, parce que je voulais vous montrer mon superbe. Donc alors, le stylo. Ouais, parce que si je fais des... Oui, de toute façon, moi, je vais faire les coupes. Bon, on va faire les traits pour vous montrer. Le stylo, c'est celui-là. C'est alors, ça vient pas de moi, l'idée. C'est une autre fille qui l'a présenté, mais je sais plus c'est qui. Une autre youtubeuse qui l'a présenté. C'est le Pilote Supercolor Permanent type INK. Moi, je l'ai trouvé, c'est pointe fine. Je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 5 € et des gamelles. Il a mis presque 15 jours à arriver. Donc voilà. Et il y est en argent.
Et la fille sur sa vidéo disait que en or ça tenait super bien. Donc j'ai pris or comme elle, mais il paraît que l'argent tient aussi très bien. Donc c'est un stylo qu'il faut amorcer comme ça. Vous secouez, vous amorcez. Alors moi il est déjà amorcé puisque j'ai fait un test sur une toile que j'avais avant de vous le présenter en vidéo. Et donc ça fonctionne très bien. Donc vous y allez, hop. Et on relie d'un trait à l'autre. Et si c'est pas parfait, c'est pas gênant. C'est un peu des traits de repère, c'est pas. Hein. Hop. Et avec ça, fini de vous embêter pour les toiles défi. Enfin, toile défi ou pas, parce que moi, en principe, maintenant, quand je fais des toiles aussi, je les coupe en plusieurs cases. Et je me dis, dans la journée, tu vas faire au moins une case, parce que voilà. Et comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et ça nous donne des petits challenges. Même personnel quoi, et ça nous aide à avancer nos toiles. Donc là, tac. Je crois que sur ma vidéo, j'avais jamais montré comment je préparais ma toile. Donc d'habitude, là c'est parce que je suis en vidéo, j'ai fait les traits, les autres traits là par-dessus. Là. Alors là ça a légèrement bougé, mais je pense que c'est parce que j'ai bougé, je suis repassée alors que c'était pas bien sec. Donc voilà, là j'ai mon quadrillage. Oh, je pense pas mettre de numéro, ou alors je la numérote, et quand je poste cette vidéo là j'aurais pas commencé. Et je vous demande de me donner un numéro, je vous laisse la journée où je poste la vidéo, et le nombre qui revient le plus souvent, c'est celui-là que je fais comme case de la semaine. Ah ouais, ça pourrait être sympa aussi. Mais après, ouais, mais je vais pas poster tous les jours. Ou je sais pas, je vais voir comment qu'on fait. Pour l'instant, je la numérote pas. Donc après, bah, pour couper, bah, je refais comme j'ai fait pour là. Hein. Je mets ma règle là et puis... Mais bon, là, je pense que du coup, je vais couper case par case. Ça sera beaucoup mieux. Au niveau, par exemple, si je fais bah, celle-là, je mettrai comme ça, tac, 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 et ça ira très bien. Donc là, il faut laisser sécher un tout petit peu. Donc, je vais la mettre de côté, et je vais préparer avec vous. Donc, du coup, j'ai retrouvé des boîtes de tic-tac. Il m'en restait 34, j'ai enlevé les 4 que j'avais en supplément. Donc, pour l'instant, ça va être mis comme ça dans la boîte, et puis je vais voir comment faire autrement. Donc du coup il y a 30, je vais faire, est-ce que je vais faire par numéro moi, et je me référerai, je vais me référer après sur la toile. Donc là hop, sur ma feuille de route je me référerai, parce que sinon si j'essaye de faire les numéros, les symboles, ça va pas aller, ça va pas aller. Donc je vais mettre des numéros, je vais mettre 30 numéros, et comme j'ai l'habitude, je me référerai à la toile, et puis arrivé à un certain moment, suivant les toiles que je fais, j'arrive à me rappeler des symboles. Quand je vois tel symbole, je sais que c'est tel numéro, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pour ça que j'ai coupé les étiquettes en deux. Ah oui, bah, peut-être un peu vous zoomer, hein. Je vais me décaler par là, moi. Donc, je suis en train d'écrire mes chiffres sur, sur mes étiquettes. Comme ça, je fais tout entièrement avec vous. Et comme ça, après, dès que j'ai fini de faire ça, je vous montre. Je vous montre la toile et vous verrez que... ça ne bougera plus. Logiquement. Hein. Donc vous avez pu remarquer aussi, tant que j'y suis, que j'ai pas tourné
dans le même endroit que d'habitude. Parce qu'on a fini de faire les travaux de la salle à manger. Et du coup, on a remis le salon dans la plus petite pièce qui est à côté de la salle à manger, qui est logiquement un salon. Et la salle à manger dans la grande pièce. Donc voilà. Pour la petite anecdote, pour les petites infos. C'est monsieur qui m'a posé le papier peint. Et si vous voulez une vidéo, pourquoi pas, mais quand ça sera fini. Dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo. Après c'est basique. Hein. C'est monsieur qui a posé le papier peint parce que le papier peint était un raccord. Et c'est pas mon pote le papier peint, un rapport. Ah, un rapport, ouais. Un raccord, oh là là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je crois que je commence à être enrhumée. J'ai un petit peu la goutte au nez et ça m'embête. J'aimerais pas être malade, surtout pas pendant le Covid là. Parce que dès qu'on est malade, dès qu'on est un petit peu malade, on se dit ah c'est le Covid, c'est le Covid. Je tiens pas à être enrhumée, ni rien. Donc ce soir, en faisant DP, on va sortir la tasse, le lait chaud, le miel. Du bon miel de chez ma tata, du miel bio. Comme ça, ça va faire partir tous les effets néfastes. Tous mes petits microbes. On va essayer de les faire partir. Donc, hop. Bon, je coupe. Oh, je coupe. Je mets toutes les étiquettes et on se retrouve. Alors voilà, ça y est, j'ai toutes mes petites boîtes sur le côté avec leurs étiquettes. J'ai tous mes petits sachets là. Alors, je crois que dans la boîte de Tic Tac, c'est 3 ou 4 sachets, je sais plus. Moi, je vais mettre ma feuille de route sur le côté pour se retrouver. Donc là, bah, le blanc, c'est le dernier, c'est le tronc. Moi, je vais déjà en mettre 3 et on va voir si ça tient. Et le reste, pour l'instant, je vais mettre dans la boîte. Hop. Donc du coup bah, ça va être un peu long aussi. Donc je sais pas si je ferai tout d'un coup avec vous. Hop. Après je sais que je pense que vous aimez bien. Après ça intéresse plutôt les débutantes, ça, ce que je suis en train de faire. Mais je vous en ai fait déjà une vidéo pour les débutantes il y a quelques temps. J'en ai refait une. Je sais pas si c'est la partie qui vous intéresse le plus de me voir mettre mes sachets. Je fais comme tout le monde, hein, je pense. Hop, on coupe, on met dans la boîte, dans le tube, dans le pilulier. Et puis, ben, on n'en parle plus. Hein. Donc là, dans cette vidéo-là, oui, j'installe, je prépare tout. Prépare tout. Donc là, voilà, il y en a 3 et je pense qu'il en reste un. On peut en mettre un. Après, je vais pas trop le charger parce qu'une fois que on veut vider pour prendre un petit peu de pierre pour faire sur la toile, si on en met trop, c'est galère. Donc, donc oui, cette vidéo-là est consacrée bah, du coup au tirage. Au tirage, si on peut appeler ça un tirage de la toile, la découverte de la toile. Oui, monsieur qui fait un truc sur le PC. Donc, la découverte de la toile, le placement des pierres, et la prochaine, bah, j'attaque avec vous bah, la toile. Alors, là, on a quoi? Du 699. Alors, 699, ça correspond à quoi? Au 8. Les symboles sont assez simples. Ouais, il ne devrait pas y avoir trop compliqué, mais... Donc là, hop. Là, je vais en mettre que 3, je pense. Il en restera 2, je les mets dans la boîte. Hop. Je vais en mettre 3 dans chaque boîte de Tic Tac et je verrai après au pire pour en mettre. Non, je sais pas. Je vais voir combien ça tient. Jamais vraiment précise, je suis tout le temps indécise pour savoir si je mets tout dedans, si j'en garde un ou deux, si
Ouais, je vais en mettre 3 déjà. 3, ça fait déjà pas mal. Alors, j'ai ma fille qui vient de se réveiller. Du coup, moi, hors caméra, je vais finir de mettre tout dedans. Et je vous retrouve après. Je vais vous retrouver après pour vous présenter ce qui me restera et ce qui est dans les tubes. Et je vous dirai au revoir et on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je commencerai la toile. Voilà, à tout à l'heure. Je reprends, là je vous montre. Là j'ai mes petites boîtes qui sont prêtes. Il m'en reste 4 à faire, je vais les faire avec vous. J'en ai laissé 4. Ah, ça, il m'en reste une là par contre. Je vais la mettre dedans. Voilà, hop, j'en ai gardé 4 à faire avec vous. Donc là, du coup, je me suis servi de ma boîte où il y avait mes boîtes de tic-tac pour faire un petit bol. S'il te plaît, bébé, va la lever, que j'ai pas de bruit dans ma vidéo là. Donc là, hop, parce que du coup, bah, elle s'est arrêtée de pleurer, donc on l'a laissée et elle se remet à pleurer. Donc le 4, c'est le 436. Donc hop, 436. Hop. Par contre, ouais, c'est ça, c'est qu'il faut que je me trouve, c'est une petite poubelle de table. Pour quand je fais ça, pour que je puisse mettre mes poubelles d'un côté. C'est vrai, c'est un petit peu embêtant. 782. Ça a mal aux dents, je crois. Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Mais du coup, il faut que tu ailles la chercher là. De toute façon, j'ai bientôt fini ma vidéo. Hop. Ça, c'est le 18. Oui, bébé, j'arrive. Donc, hop. Et le 604, c'est bien le numéro 7. Oui. Je me suis pas trompée, hop. Donc comme ça, je finis de vous montrer ça. Donc du coup, hop, mes petits papiers, je vais les mettre après dans ma boîte. Donc là, j'ai tout mon panel de couleurs. Et franchement, c'est un beau panel de couleurs. Beaucoup de bleus différents. Mais ça va aller, ça va être joli. Donc là, ben, il me reste tout ça. Des gris, des bleus, des verts. Que je peux pas mettre pour l'instant dedans, et je voulais revenir surtout sur la toile aussi pour vous montrer. Donc je n'ai rien passé dessus, hein, et comme je vous l'ai laissé tout à l'heure, et vous voyez, je vais zoomer, je peux frotter, il n'y a aucun souci, il n'y a rien sur mon doigt, et sur la toile ça n'a pas bougé non plus. Donc c'est nickel. Alors par contre, je pensais peut-être faire du coup la numéroter, si quand même, et faire par rapport au chiffre que vous m'avez donné. Donc là j'ai eu le 25. Donc si je fais 5 plus 2, ça fait 7. Parce qu'en fait j'ai 4 fois 3, 12. 12 cases. Donc si j'additionne les chiffres que vous m'avez donné, peut-être qu'on peut tomber sur des cases à faire. Donc là ça ferait 7. 3 et 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3 et 2, 5, 10, 6, bah 4, 9, 3, 6, et puis bah 0 plus 2, 2, 2. Donc je pourrais les faire dans l'ordre comme ça. Donc ben, sachant que voilà, il y a des chiffres qu'il y a, il y a des chiffres qu'il n'y a pas. Et après, je compléterai par le reste. Donc par contre, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter. 1, 2, 3, 4. On va faire comme ça. Je vais faire en suivant de votre feuille les chiffres que j'ai. Donc voilà, elle est numérotée jusqu'à 12.
Donc la première case que vous verrez en vidéo, c'est la 7. Donc je peux la préparer avec vous. Donc du coup, je vais la préparer avec vous. Je vais faire ma découpe. Ouais. Je vais juste essayer de sécher un peu les chiffres pour être sûr que ça ne s'efface pas. Hop. Et donc, hop, pour couper ma case, c'est tout simple. La règle devant le trait. Un petit coup de cutter léger pour couper que le papier et ne pas couper la toile. Et ce, sur les quatre coins. Oula, je suis partie sur le côté là. C'est pas grave. Comme ça, les chiffres que les autres auront donnés serviront quand même. À choisir ma case que je fais. Donc là, je vais pas en faire tous les jours. Le mois de février, il y a 4 semaines. On va essayer de faire ça sur 4 semaines. On va faire sur le mois complet. Et voilà. Donc du coup, comme ça, j'ai ma petite case à faire. Donc c'est la bouche de Luigi. Donc voilà. Donc c'est parfait, vous voyez là, j'ai même pas laissé sécher très longtemps et vous voyez, ça ne se sauve pas, ça ne bouge pas. Donc je vous remonte le stylo, c'est celui-là qu'il faut acheter et plus de soucis pour écrire sur l'étoile. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la vidéo où on commence la toile ensemble. Bisous!